Allez, les amis, un peu de douceur, avec un peu de jazz. Vous allez me dire ce que vous en pensez encore sur ces SM225, mais au final, il y a quand même quelque chose qui ressort là avec les enceintes. C'est que tu vois, moi quand je les ai écoutés dans ma piole là-bas, dans ma pièce qui était pseudo-traitée, je dis pseudo parce que j'ai fait ça moi-même, hein. C'est, je suis pas un pro, mais voilà, j'ai réussi à faire un truc correct. Et du coup, là-bas, le son était trop mat avec ces enceintes. Parce qu'elles sont déjà douces. En fait, elles ont une sonorité un peu à l'anglaise, tu vois. Et du coup, là-bas, c'était trop absorbé. Quand je les avais comparés avec les pylons X30. Ce qui fait que je pense que ces deux enceintes-là, tu peux les mettre dans un salon avec du carrelage, tu vois. Comme ça va compenser. Ça va compenser avec le côté doux des enceintes. Ce qui fait que tu peux les écouter dans une pièce où il y a du carrelage, ça va pas, tu vas pas trop avoir de réverb. Et par contre, derrière, il faut que tu mettes un ampli qui soit plutôt détaillé, plutôt dynamique, avec un peu de coffre. Voilà. Voilà ce que je te conseillerais. Allez, c'est parti. Je vais me faire un café, hein, donc tu risques d'entendre la Senseo après. Took a trip on a train, and I thought about you. I passed a shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town, and with each beam, same old dream. At every stop that we made, I thought about you. But when I pulled down the shade, that's when I really felt blue. I peeked through the crack and looked down the track, the one going I thought about you.
très agréable, avec un bon petit placement là, tu vois, on a bien le son au milieu, c'est bien, t'as une bonne stéréo. Nickel, nickel. Bon, bah, ouais, putain, fait chier, je les aime bien quand même, ces petites Infinity là. Merde alors. Ouais.